Good evening and welcome to the final part of our interview with one of the leading international scholars in the fields of anthropology and Egyptology, Dr. Sheikh Anta Diop. Dr. Diop, a nuclear physicist, is director of the Radiocarbon Laboratory at the University of Dakar in Senegal. In this segment, Dr. Diop discusses a scheme designed to, well, let's take a look. Dans les régions géographiques et que les autres races vont apparaître. It is only after that race left Africa to people other parts of the world that had different climatic phenomena that man changed and became and took on different aspects, had a different look. Ces premiers hommes comprenaient en réalité six spécimens. L'humanité, la nature a créé six spécimens d'hommes avant d'arriver à l'homme que nous sommes aujourd'hui. Nature created six specimens of man before we got to man as we know him today. Les trois premiers spécimens, je n'ai pas besoin de les nommer, n'ont pas atteint, dans l'état actuel de la recherche scientifique, un potentiel d'expansion leur permettant de sortir de l'Afrique. Donc, ils n'ont jamais été hors d'Afrique dans l'état actuel des recherches. According to the scientific information that we have now, it appears that the first three of these species, which is not necessary to name, never acquired the potential or never arrived at the potential for exporting or leaving their own area. Non. N'ont jamais atteint un potentiel d'expansion pour sortir de l'Afrique. They never had the potential to expand and to leave Africa. Yes. Les trois autres sont sortis de l'Afrique. Three others did leave Africa. Le quatrième et le cinquième ont disparu. The fourth and the fifth of these species disappeared. Il ne reste que le sixième qui est l'homme que nous sommes. And what remains is man as we know him, that sixth species. Le cinquième, c'est celui-là que j'ai projeté ici. Vous le voyez, cet homme ressemble beaucoup à l'homme actuel, mais il n'est pas encore arrivé au stade de l'homme actuel. C'est le cinquième. The fifth of these species, which as you will see, resembles very much man as we know him today. Mais il n'était pas encore très différencié. He was not yet very, but man as we know him today was not differentiated a great deal from this man. Si vous le regardez, vous verrez que la différence qui le sépare de l'homme que nous sommes, c'est qu'il n'a pas de front. Vous voyez, les yeux sont presque à la place du front. You will see that the difference, the major difference here, is that the fifth species did not have a forehead. You'll see that the eyes are situated very close to the top of the head. C'est très important ce détail, il faut le remarquer, il n'a pas de front. Donc il n'a pas, son cerveau antérieur est très différent du cerveau antérieur de l'homme actuel. Si vous le regardez, c'est comme s'il avait les yeux ici. It's very important, this is a very important detail. It means that the brain inside was very different from the brain inside of man as we know him today. Et quand on étudie son cerveau, quand on étudie l'anatomie de son cerveau, on voit qu'il n'a pas cette partie-là, ce cerveau antérieur. And studying his brain, il a ce qu'on appelle le lobe antérieur du cerveau, il ne l'a pas. He does not have the anterior lobe of the brain. In anatomical studies, it has been determined that he did not have this anterior lobe. C'est la grande différence entre lui et l'homo sapiens que nous sommes. That is the major difference, the fundamental difference between Homo sapiens sapien, which is what we are. Et ce spécimen n'a jamais pu sublimer la nature pour créer l'œuvre d'art. This species was never able to overcome nature to an extent that he was able to create works of art. Ensuite, je passe au suivant. And this next slide. Là, nous arrivons à l'homme comme vous et moi, c'est l'homme du milieu. And now we have the man in the middle is the man that we are. C'est le crâne du milieu, c'était un noir, c'est l'homme que nous appelons dans la littérature, si vous voulez, préhistorique, l'homme de Grimaldi. This was a black man, the skull is that of a black man,
which we call in prehistoric history the Grimaldi man. On sait que c'était un homme de morphologie noire. Quand on voit sa morphologie, on voit que c'était un noir. Vous voyez bien, la forme du visage est très typique. Et nous l'avons comparé avec un crâne d'Africain d'aujourd'hui. Le crâne de gauche, c'est un crâne de Malien que nous avons dans notre collection à Dakar, à l'IFAN. Et le crâne de droite, c'est le premier homme blanc qui apparaît sur la Terre à la suite de la transformation de l'homme du milieu. You can see in looking at the skull in the middle that the morphology of this skull is very much that of blacks. That is the skull of modern man. To the left of it, we have the skull of modern African man. Is one of those that is in our collection at the University of Dakar. L'homme qui est à droite maintenant, et on ne le verra que il va. L'homme qui est au milieu est entré en Europe il y a 40,000 ans. 40,000 years ago, the man in the middle left Africa and went to Europe. Il va vivre en Europe de moins 40,000 ans à moins 20,000 ans, et c'est pendant cette période d'adaptation à un climat extrêmement froid qui est très différent du climat actuel, parce que c'est pendant la dernière glaciation que la Terre a connue et qui a duré 100,000 ans. Il va donner naissance, donc par mutation et adaptation, au troisième crâne de droite qui est l'homme de Cro-Magnon. The skull at the extreme right of the screen is that of Cro-Magnon man. It was a man in the middle left Africa to go into Europe at a time during what is called the final or the last glaciation. The climate in Europe was extremely cold. It was much colder than it is now. And during this period of some 20,000 years, he underwent the adaptation to become what we know as white man. Donc, c'est bel et bien, si on s'en tient sans préjugés, ordonnées rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du Grimaldien à ce climat froid qui a donné naissance finalement au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderme ou l'homme blanc. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. It is very clear to all of the scientists involved in this field, even if they are only able to say it within themselves and unable to say it publicly, that the man that we know conventionally to be a white man evolved from a black man over a period of some 20,000 years of adaptation to a different climate. And if we are to say with any serenity, resting totally on scientific data, that is the conclusion that we must come to. Donc, nous voyons bien que l'humanité, en sortant de l'Afrique et en s'adaptant aux différents climats de la Terre, a donné naissance aux différentes races. Voilà comment les races sont nées. Donc, la race est une notion géographique. Si le premier homme que vous voyez au milieu n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale. L'humanité serait homogène et noire. If the man that we see in the middle there had never left Africa to people other parts of the world, and if those people in other parts of the world in different climates had not, through the process of adaptation, become what they are in various regions of the world, all man would be homogeneous and all men would be black. Le reste de la Terre n'aurait pas été peuplé, serait désert, et il y aurait eu une seule humanité noire cantonnée en Afrique. Et le reste de la Terre ne serait pas habité. If that man had not left Africa, the rest of the world would have remained a desert, would never have been peopled. Yeah. Donc, voilà, vous voyez donc que j'ai répondu à la question que vous m'avez posée. En demandant où se situe le noir dans l'évolution de l'espèce humaine,
Je lui réponds qu'en toute rigueur scientifique, le premier homme de la Terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Voilà la conclusion à cette première question. And so to answer precisely your first question, which is or was, to what extent or in what way do blacks figure in the origin of man? The answer is the first man was black, and it was he who gave birth to other races of the world. You have knocked out my first five questions. Vous avez annulé la nécessité de poser les cinq premières questions. Si, il faut les poser parce que j'avais des choses, j'avais noté mentalement des choses auxquelles je voudrais répondre. Même poser-les rapidement. You must still ask them, even if you do it quickly, because he has reserved other information in response to them. Why was it not possible for mankind to have been born in many parts of the earth? Pourquoi n'était-il pas possible que man soit né dans quelques centres dans le monde? Justement, quand les études de paléontologie humaine n'étaient pas encore assez avancées, il y avait deux théories qui s'affrontaient. When human anthropology had not quite evolved to the extent that it has now, there were two theories that kept confronting one another. La théorie selon laquelle l'homme est né en un seul endroit et s'est différencié pour donner naissance aux autres races, celle que je viens d'exposer, avec ses défenseurs. There was the theory that he has just explained, that man was born in one place and became different as he peopled other parts of the world. That theory had its defenders. Il y avait une autre, cette première théorie, c'est celle qu'on appelle toujours, la théorie du monogénétisme, c'est-à-dire d'une seule origine de l'espèce humaine. This is called a monogenetic theory. That is, that there is one source for mankind. Il y a l'autre théorie maintenant, comme proposée, qui est voulait que certaines conditions étant réalisées, qu'il ait existé un homme né en Afrique, un autre homme né en Europe, un homme né en Asie. Donc, l'homme aurait connu l'apparition de l'humanité, serait le résultat, si vous voulez, de plusieurs centres. L'origine de l'humanité aurait connu plusieurs centres. Et on appelait cette théorie la théorie du polycentrisme, du polygénétisme. The second theory is a polygenetic theory, which believes or contends that man was born in Africa and also in Europe and also in Asia. In other words, that there were several locations in the world where man finds his origin. Et que d'ailleurs, c'est cela qui pourrait expliquer leurs différences. And it is that that explains their differences. Alors, cette théorie était même la théorie du sens commun. Je ne dis pas du bon sens, mais du sens commun. C'est-à-dire, il paraissait a priori, au premier abord, plus normal qu'il ait existé un homme au niveau de chaque continent. That theory has a certain amount of made a certain amount of sense. Not that it made good sense, but it made a certain amount of sense. It would explain that there are different peoples in different parts of the world with different characteristics. Mais lorsqu'on y regarde après, il y a deux faits qui sont venus infirmer cette théorie. But under closer scrutiny, there were two things that made this theory fall apart more or less. D'abord, la nature ne passe jamais deux fois par le même point dans son évolution. The first is that nature never strikes twice in its evolution. It doesn't ever hit the same place two times. Nature doesn't create twice the same thing. In the animal kingdom, the same being. The same being. In the animal kingdom, you can see that throughout the evolution of animals, a being was created, and it either disappeared or changed somewhat, or a new being completely was created, but never the same being twice. And to remain strictly scientific, it doesn't make common sense to say that man was created.